Salut à tous, c'est Chirika, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Spyro. On avait fini le premier monde, enfin le premier monde, ouais, si on avait fini les 5 premiers niveaux du premier monde. Donc là, on va faire comme pour le premier monde, on va faire déjà tout le premier, l'endroit où il y a tous les portails. Et après on va faire un petit monde pendant la vidéo. S'il te plaît, retrouve nos trésors Spyro. Trouvez les trésors, compris. Ah ouais, c'est vraiment différent aussi. Alors lui, il est fait. Et lui, il est fait. Là, c'est fait. Maintenant, là, je peux pas y aller. Là, c'est de où je viens. Alors c'est bien ces canons, c'est que tu peux ouvrir les coffres les plus compliqués à avoir. Normalement je l'ai. Ouais. Bon bah. Là je traîne un petit peu. On va aller se balader un petit peu, on va pas rester là, c'est pas marrant. Donc on aura le monde, le canyon aride. On aura le village perché. Alors dans ces niveaux là en fait c'est aussi y a des choses qui sont plutôt chiantes par rapport à d'autres. C'est que les grenouilles en fait, les méchants, ils vont se cacher sous les tentes. Bah après voilà, ça va très très vite hein, comme je te l'ai déjà dit, c'est du Spyro, donc voilà, faut pas te casser la tête hein. Tu arrives rapidement à les faire. Sparks, la libellule, t'a très bien protégé. Renforce-le en lui donnant beaucoup de papillons à manger. Ah bah toi t'es un petit peu trop renforcé quand même. Hein. Bah là tu montes sur le cul, mais t'es sérieux toi? Non mais oh. Ah je suis outré. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la tente? Il y avait quelqu'un tout à l'heure. Ah hein. Oh bah non. On ramasse tous les diamants. On aura le monde là aussi à faire. Est-ce qu'on voit tous les mondes? Non, on voit pas tous les mondes. Donc c'est à moi de les trouver. Ok. Et il faut combien de diamants? 200. Oh, ça devient différent. Bah, c'est normal en même temps, mais bon. Là, c'est ramassé. Comment on va là-bas?
c'est de où j'ai tiré les diamants. Les premiers boulets. T'as un monde là-bas. Mais je sais pas comment on fait. Oui, il faut casser quelque chose. Ah! J'allais dire. Donc il y a là-bas, il y a un monde aussi, mais on va aller là-bas d'abord. T'allais dire, je galérais tellement avec lui avant. Continue comme ça pour accomplir ta destinée. Destinée? Je veux juste botter quelqu'un. Occupe-toi seulement de ses ennemis et retrouve les trésors. J'adore sa coupe à lui. J'adore. Aïe aïe aïe. Oh, c'est quoi ça? D'accord. Voilà, ça a été fait. Alors, on l'avait vu tout à l'heure. Je veux bien, mais il m'en manque quand même beaucoup là des diamants. Il m'en faut 200, je suis à 169. Ouais, il en manque pas mal. Bon, c'est pas grave, on va aller faire un petit monde. Allez. On va partir. Là, c'est de où je viens, je crois. Si je dis pas de conneries. Ouais, c'est de où je viens. On va aller faire le canyon aride. Ils ont rajouté ça avant, tu pouvais rien faire. Non, t'es sérieux? Putain, je mangeais pour rien moi. Combien il nous faut de dragons? Il nous faut 4 dragons et 400 diamants. Voilà les petits diamants, je sais pas s'il y en aura encore. Attends, là y'a rien. Ah si, il y a quelque chose là. Il est où lui? Viens ici, espèce d'enculé, va. Putain, je l'avais presque. Je vais t'avoir, enculé, tu vas voir.
Voilà. Je l'ai eu. J'en ai chié, mais je l'ai eu. Alors moi, je viens de haut. Parce que là, je m'aventure. Ok, là, tu peux pas y aller. Donc, moi, je suis arrivé de là. On va avancer un petit peu. On va aller voir par là-bas. Là, ça, c'est été fait. On peut pas y aller, je crois. Ça, le premier dragon. Été libéré. Quoi? Hein? Oh. Merci de m'avoir libéré, Spyro. T'as même des corbeaux, enfin des piafs. Oh putain. J'ai plus comment on y va, moi. Comme ça. C'est juste que j'ai mal visé, quoi. Oh, on peut aller là-bas. Oh. Y'a rien là-bas, non, mais c'est bon. Alors eux, ils servent strictement à rien. En fait, je crois que j'étais content d'aller là, mais je crois que c'est la fin en fait. Enfin, c'est la fin, ça me paraît bizarre parce que je dois avoir 400 diamants, je suis qu'à 145. C'est toi, Spyro? Le jeu. Ouais, c'est moi, Spyro. J'ai entendu parler. Alors que tu ne crachais encore que des volutes, on savait que... Ah, j'ai oublié. Espèce de vieux grincheux sénile, va. Décoller, connard. Attends, là je m'aventure, mais ouais, là je suis arrivé de là, donc faut que je vais par là bas Enfin, toi t'as une sale gueule, mais laisse tomber quoi. Pour le moment tu fais que dalle, tu sers à rien. Est-ce que je peux encore grimper là? Bon, en fait, je peux encore grimper. On va pas se gêner, hein. Grimpons, mes amis, grimpons. Là-haut, c'est un petit peu plus haut qu'ici. Si tu te loupes, tu t'écrases comme une grosse merde. Foi, oh, putain. Je le savais. Je le savais, c'est un truc de dingue, je suis pas loin. Ah merde. Et puis elle met du temps à charger, elle. Ce serait peut-être temps que je la vide de mes vidéos. Non mais oh, tu m'agresses pas comme ça, toi.
On va réessayer. Je peux même aller là-bas après pour récupérer une petite vie. Hey, je t'ai pas vu, espèce d'enculé. Non mais oh. Ouais, ça fait haut quand même. Hein. Ah putain. Je le savais que j'aurais réussi. Elle est où la clé? Eh, j'ai pas eu de clé moi. Non. Faut que je revienne. T'es sérieux là? Bah bon, on reviendra. En fait, je m'aventure par là que c'est pas par là quoi. Ça restera là. Ah putain, fais chier. J'aurais dû rester de l'autre côté. Bon, on va aller voir s'il faut, on y retournera en arrière. Allez chichi, on se dépêche. C'est bien la fin. Mais non, on venait de Tampa aussi. On venait de là, non. Il nous manque une centaine de diamants. Le canyon aride récompense les bons planeurs. Tu sais bien planer, hein, Spiro? Je suis né pour planer. T'es né pour planer, pour le moment tu t'es cassé la gueule, connard. Ah bah ils sont là-bas en fait. Une quarantaine peut-être. Là y a rien, j'étais déjà passé, enfin je suis déjà passé. Il faut tout refaire dans le chemin inverse. Voilà. On peut aller aussi. Hein. Ouais, on peut aussi y aller. Par là-haut déjà. De toute façon, il me manque une clé. T'es sérieux, toi? Non, mais oh. Bon, moi je descends, il me manque une clé. Lui, je l'ai pas vu. Ok. On y retourne. On fait demi-tour. Et on recommence. Il manque un dragon. Et 56 diamants. Bon, ça va être vite ramassé. Que j'ai pas été en fait. À mon avis, c'est là-bas que la clé elle se trouve.
te dis, il faut que t'as l'œil vraiment partout. C'est... T'es sérieux, toi? J'ai loupé mon tir, tu commences à me prendre comme ça? Non, mais oh. Et de là, je devrais savoir arriver pour le... Non, ça, c'est que le retour maison. Mais il y a où le dragon? J'avais vu un dragon. J'avais bien raison, il y avait bien un truc là-bas. C'est juste que j'ai mal lu. Puis on va se mettre là comme ça. Ouais, on est arrivé là-haut. D'accord. Ça devient assez compliqué quand même. Et il nous manque un dragon. Si je commence un niveau et puis qu'il manque la moitié, moi ça me plaît pas. Donc là c'est rien. Et il est où ce fameux dragon que j'ai vu tout à l'heure? Putain, je l'ai croisé tout à l'heure et là je vais plus le voir. Sérieux? Il est là-haut. Ok. C'est là-haut que je dois aller. Si je vais là, j'y arrive aussi. Et merde. Ah, là, c'est une valeur sûre. Là, ça serait là sur le côté au-dessus ou en dessous, non, au-dessus. Voilà, suffisait que de demander. Mais par contre, il me manque toujours une clé et je l'ai pas trouvé. Quel vol plané, Spiro! J'ai cru que je resterais bloqué avec ces affreux vautours autour de moi pour toujours. Ils ont l'air méchants, mais ils sont délicieux. Grillé à point avec une pincée de sel. Ah bah elle est là, la clé. Et on y retourne. On l'aura un jour, on l'aura.
non, mais vous faites chier, sérieux. Un coup ils volent bien, un coup il y a pas de, y a pas d'auteur. Ah ça c'est un truc de dingue, tu vois. C'est un coup ils sautent bien, un coup c'est tout juste. Et puis il est long quand il avance. C'est le même souci qu'avec Ratchet et Clank. C'est ça, c'est des jeux quand les personnages ils avancent. C'est, je trouve que c'est vraiment long. Mais tu, c'est limite tu te fais chier à côté. Enfin les niveaux sont très rapides. Là je me casse la tête, hein, je le fais pour des broutilles. Alors là faut que je suis bien sur la pointe. Et je saute et j'y arrive. Et là je tourne plus le joystick et je passe. Voilà. C'est pareil, il m'en manque encore. Hein. Enfin les trois qui manquent ils seront de l'autre côté. Normalement je l'ai à 100% celui-là. Ouais mais je suis con. J'aurais pu aller de là-bas. Bah ouais. Voilà là, chichi, tu fais le con. Là, c'est encore plus simple. Alors lui, il est pas à 100%. Lui, on peut y aller. Il est terminé. Le niveau était assez simple, on va pas dire qu'on en a chié, c'est juste que voilà, on traîne, on revient souvent sur nos pas, il y a des petits trucs qu'on voit pas forcément et en voulant aller trop vite, ce que je veux faire en fait, c'est que je veux aller beaucoup trop vite et donc du coup je fais pas mal d'erreurs. C'est la fin de cette vidéo. Moi je te dis à la prochaine. On se retrouve pour la suite de cette aventure. Il y en a un, il essaie de me taper là. Non mais t'es sérieux toi? Ouais. Donc on a fait ce niveau à 100%. On va aller faire celui là-bas. Continue à prendre un maximum de vitalité. Voilà. Enfin, un maximum de vitalité, on prend un maximum de vie. Si tu peux te faire plaisir, prendre 2-3 vies. Parce que par la suite, tu vas vraiment en chier. Donc là, on avait fait le canyon. Enfin, je sais même plus lequel qu'on a fait. Ouais, on avait fait celui là-bas, celui dans le coin là-bas. Le canyon Hagrid. Là, la prochaine fois, on va faire le village. Le village perché. Mais ils s'appellent tous les villages perchés, c'est un truc de dingue. Bon, allez, c'est parti. Donc, je te dis à bientôt pour la suite de cette aventure. On se retrouve bientôt, mais vraiment très très bientôt, c'était Chéricard.